Hey, hey les amis, c'est GTA4 French. On se retrouve sur une nouvelle patrouille, patrouille 20, avec deux véhicules, deux nouveautés. Je pense que vous ne les avez jamais vus à part sur le mur de Katek Mod. Bah oui, en effet, parce que c'est à lui qu'on doit ses créations. Alors, je vais vous faire un petit tour vite fait de ces deux véhicules, mais on va se consacrer aujourd'hui que sur le véhicule Peugeot, la 508, banalisée présidentielle. Ces deux véhicules sont en version bêta. Et aujourd'hui, on fera pas de vidéo. Enfin, en fait, je vais pas jouer avec la Scénic, vu que je ferai ça sur une vidéo, une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on va se consacrer sur ce véhicule-là, qui est plutôt, même les deux, j'ai envie de dire, ils sont quand même super, ils sont quand même bien foutus. Merci à Katek Mod, une fois de plus. Merci de ton travail, merci de collaborer avec moi, avec nous tous. Grâce à toi, on va faire un petit tour avec ce véhicule-là. On va patrouiller. Attendez, ça commence bien. Petite baston là. Attendez, on va l'attraper celui-là. Allez hop. Allez, retourne-toi. Allez hop, on fout les menottes. Donc oui, j'ai mis ma tenue de la BAC. Donc, comme d'habitude, les liens sont dans la description. Allez, hop, c'est parti. On va voir ce qu'il y a à faire. J'ai une petite idée sur cette patrouille-là. Enfin, on va voir ça tout de suite après. Alors, j'attends un mauvais pas, une mauvaise conduite de quelqu'un pour l'arrêter. Attendez, je vais passer vite fait là. Oups, oh mon dieu. Voilà. Ça c'est fait. Alors, ouais, on va faire ça tout de suite. Je vais m'arrêter juste là à côté. Et vous allez voir, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce système-là. Donc en fait je vais faire tout simplement spawner un véhicule, on va dire, bah attendez, je vais prendre un véhicule de marque. Et en fait je vais la mettre sur le côté, sur le trottoir, et on va attendre que quelqu'un la vole. Et puis après ça sera juste à nous d'aller interpeller le mec qui a volé le véhicule, tout simplement. Je me souviens d'avoir fait ça sur mes premières patrouilles, je sais plus... Lesquels, enfin, peu importe, mais je trouve ça assez sympa. Allez hop, nous on va reprendre notre véhicule Peugeot et on va se planquer en fait, tout simplement. On va faire le guet, attendre le voleur. On va se mettre juste là à droite, là sur le trottoir. Ici, nickel, hop. On va se mettre comme correctement pour partir en vitesse. Hop, on va attendre juste ici. Donc voilà, on a une petite vue en fait sur le véhicule là-bas. Donc ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes. Rarement plus, hein. Ce serait un peu un con d'attendre une heure. Au pire, il me semble que si je me barre, c'est signalé sur le téléphone que qu'on a volé le véhicule. Et j'ai même la distance par rapport à moi. Donc c'est plutôt bien foutu. Donc là, vous voyez bien, il y a quelqu'un qui est autour là, qui regarde tout autour de lui. Voilà, hop. Infraction. Ouf, bon, c'était pas une bonne idée de taper la voiture. Ah, il se barre l'enculé. Voilà. Il s'est arrêté. Je fais en fait un contrôle routier, il s'arrête automatiquement. Voilà, je fais sortir le véhicule. Il se barre. Il se barre. Bon. Mais il y a des échanges de tirs, ça sent pas bon. Ouf. Attendez, je vais vite l'arrêter.
Voilà, un véhicule de la police nationale, là, le Scénic, mais je ferai pas de vidéo dessus vu que c'est une version encore en test, en version bêta. Vous trouverez aucun lien sur ce véhicule-là. Attendez, ça la guerre autour de moi. Je vais aider mes collègues. On nous tire dessus. Puis en même temps, faut que je couvre. Si je viens d'arrêter, ce serait con qu'il meure. C'est la guerre ici. Je le menotte. Allez, mets-toi à couvert, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ils sont où là? Ils sont planqués, je sais pas où. Je crois qu'il y en avait un par là. Ah, il est là, il est en train de se barrer, le salaud. Voilà, hop, une arrestation de fait. C'est mieux de le tuer quand même. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Hop, oh putain, voilà. Forcément, il fonce dedans celui-là. Salaud. Allez, non, on veut pas sortir. Bah, c'est pas grave, casse-toi. Qu'est-ce qu'elle fout l'ambulance là? C'est pas possible. Attendez, je vais l'arrêter lui. Voilà. Il m'a quand même poussé, il m'a bien foncé dedans. Oh l'enfoiré, il est armé en plus. Bon voilà. Désolé, mais j'étais obligé de me défendre. Mais c'est pas possible, c'est la guerre là. Ils sont tous armés dans ce quartier. Voilà, forcément j'ai plus de balles. Bon. Bon bah voilà. Ça c'est fait. Mais c'est pas. Mais c'est un truc de dingue. Ils sont où? Ah, il est là sur le côté droit. Je l'ai pas vu. On va sauter de l'autre côté du mur. Hop. Voilà. Mais ça tire encore. Mais. Il y a combien de flingues sur lui, le mec? Il en a fait tomber un, puis il en a un deuxième. Gros mafieux. Bon, voilà, en fait, je suis le seul survivant du quartier. J'ai tué tout le monde, sauf le mec que j'ai arrêté tout à l'heure. Logique. Bon, attendez, je vais appeler les secours. Ah, c'est les pompiers. Bon bah du coup ça crache, comme quoi, hein. Vous êtes pas tout seul à cracher. Moi aussi ça m'arrive. Bon en même temps là il y avait quand même pas mal de véhicules tout autour de moi. Je pense que l'ordi il a bien chauffé, le jeu il a... il a rien compris. Il s'est coupé, bon, c'est pas grave. On est reparti. On va essayer de faire quelque chose de... Bah qui crache pas en fait. En même temps là j'ai pas eu le choix. Ils ont voulu faire la guerre avec moi. Allez, est-ce qu'on refait la même chose? Est-ce qu'on remet un véhicule à faire voler? Je sais pas, on va voir ce qu'on nous propose. Attendez, là il y a un feu rouge de grillé. Hop, on va l'arrêter tout de suite. En espérant que personne me fonce dedans derrière, ça serait sympa. Mais ouais, j'ai eu l'idée. Enfin, une idée que, à mon avis, vous allez avoir aussi. Bah, c'est pourquoi pas. Ah, attendez, putain, qu'est-ce qu'ils foutent eux, hein? Bon, tant qu'ils me foncent pas dedans. Ouais, de faire un petit convoi avec Gaëtan et Marshall, ça sera plutôt sympa. Avec ce genre de véhicule banalisé. Faire un petit convoi présidentiel. Ça pourrait être très. Ça pourrait être fun.
Ça sera à voir plus tard, sûrement. Allez hop, nous on repart. Attendez, je passe les feux rouges. On se barre de là. Voilà. Ouais, bah du coup, je vais refaire spawner un véhicule. On va voir ce que ça donne. On va réessayer. Attendez, je... Attendez, parce que là, il y a une alcoolique. Attendez, on va voir ce qu'on peut en faire. On va appeler un taxi. On va l'aider. On va pas faire les salauds. Voilà, le taxi il est juste là. En espérant qu'il vienne jusqu'à moi. Donc j'accepte pas l'émission justement pour... Ah ok. Ah ouais, très bien. Elle en profite pour prendre mon taxi puis se barrer. Tout à fait normal. Ok. Bon. Bon attendez, je vais faire un petit contrôle d'identité. Mais attendez, ça c'est la meilleure ça. Ah je comprends en fait. Parce que quand j'ai fait l'appel d'un taxi, il y a la personne qui est passée juste à côté de moi qui a validé en fait. Ah, ok. Bon du coup je suis en train d'arrêter la grand-mère. C'est pas grave. Je peux pas l'arrêter. Je peux pas la menotter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas grave. C'est pas grave, nous on va partir sur autre chose. Allez, on va arrêter de faire des conneries. Attendez, je freeze juste le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Donc aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo très longue. C'était juste pour faire une petite présentation de ce nouveau véhicule. Je ferai une présentation prochaine sur, j'espère, sur la scénic. Et puis, je pense faire des vidéos longues une fois avec Gaino et Marshall. Et puis après, on verra ce qu'on fera. Il y aura plein de petites nouveautés qui vont arriver, des nouveaux véhicules. Beaucoup de véhicules banalisés. On va voir ça. Donc du coup je passe une petite intervention. Violence conjugale. On est déjà venu là ici, je me souviens. Donc voilà, donc vous étonnez pas, ce sera une vidéo environ 15 minutes je pense. Ok, tu veux te battre. J'ai sorti. Oh l'enfoiré. Oh le coup. Oh la vache. En fait, je crois que j'ai pas assez de place pour le frapper, le con. Enfoiré. Attendez, je vais sortir le flingue. Parce que là, j'en chie. Ouais, ça sert à rien, les couloirs sont trop... Hop. Voilà. Ça marche toujours. Nickel. En passant, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont passées nous voir sur le serveur Minecraft Gainon. C'est sympa, eux, c'était bien sympa de discuter. Et puis voilà, c'est une petite dédicace comme ça sur le tas. D'ailleurs, quand on fait des petits. Quand on joue sur le serveur, je publie ça sur ma page Facebook. Allez, casse-toi, toi. Je publie ça sur ma page Facebook. Je fais une petite invitation avec le Mumble, hein, c'est pour discuter avec vous. Et puis voilà. Donc merci à vous. Bon, bah du coup je vais arrêter la vidéo là, je vais l'arrêter. Moi je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. J'espère que cette petite vidéo, peut-être courte, je l'avoue, vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Et puis allez, ciao, bye bye. Puis n'hésitez pas à te commenter, aimer et partager. En même temps, faites ce que vous voulez. Bon allez, les amis, ciao, bye bye. Et puis, bon bah. Une arrestation bien finie.